Bonjour tout le monde, c'est Shadow 65, j'espère que vous allez bien à écouter. Moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau jeu que je vous ai prédit. Payday, God Simulator Payday. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà débloqué toutes les chèvres. Alors j'ai pas payé, vous savez, le pack pour avoir toutes les chèvres. Non, je les ai débloquées en jouant, simplement. J'ai joué pendant 2 jours et je l'ai eu ça. Regarde. Hop. On peut être un humain, en vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça peut m'aider si je veux faire une story. Parce que j'avais prévu de faire une story sur ce jeu et c'est avec plaisir qu'on pourra le faire. Est-ce qu'on peut être flic? Si ça, c'est pour vous, je suis en pression. Il y avait un flic. Ok, donc aujourd'hui on va pas utiliser notre pastrami ni le dauphin, voilà qui est stylé. Pourtant, on va peut-être les utiliser plus tard, bien sûr. On va utiliser flamingo, il y a aussi le chameau, hein. Mais on va utiliser flamingo et on va peut-être les utiliser les autres pendant notre aventure. Donc je vais vous montrer les conneries à faire dans ce jeu. Ouais, à quoi que. On va prendre quand même. Regarde! Elle belle Yato. Parce que quand même, notre Bastrami, c'est chef de base. D'ailleurs, ce qu'on peut gagner dans ce jeu, c'est la chef de God Simulator. Oh, je sais plus du tout où est-ce que je l'ai trouvée, cette chèvre. Ah, elle est là. C'est la chèvre hyper glimique. Donc, je sais plus trop où est-ce que je peux la voir, en fait, cette chèvre-là. Chèvre hyper slimique. En devant des coffres forts. Devant un coffre fort, par contre, je sais pas c'est lequel. Hein. Ça, je peux pas vous dire. On va essayer le coffre fort d'un endroit très spécial. Alors, vous connaissez la ville et tout. Mais vous savez qu'il y a casino dans cette ville. Dans la ville de Payday. Alors, si vous avez déjà vu des vidéos sur ce jeu, ça paraît évident, elle est sortie il y a 6 ans. Vous êtes peut-être au courant que c'est une boîte, un casino dans ce jeu. Par contre, le camion il va le saouler. Hein. Mais vas-y, écrase-moi ton condier! Attends, j'arrive. Oh l'enculé! Ma voiture! Mais. Non, attends. On s'est pas compris là. C'est pas bien compris là, mon gars. C'est pas bien compris là. Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi là? Je crois qu'on s'est pas très bien compris. Attends, j'arrive. Ah, c'est bugué. On va recommencer, mais c'est bugué. Hein. Ah, le montage, par contre, il va être super long. Hein. Alors. Notre perso, aujourd'hui... Bon. Pas grave. On va s'occuper de ce flic. Sachez-le ou non, mais... contrôler des persos avec le flamingo. Regardez, hop. Et c'est quand même un peu mieux parce que c'est pas buggé. Sauf que la tête. Buggé, on est d'accord. Tu m'as quoi encore, toi? Freeze. Mister Freeze, tant qu'on y est.
tout, ça fiche de moi. C'est clair que c'est chiant quand ça fait ça, les gars. En plus, il va m'aider pas, là. Police. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de ce flic incompétent. Donc, je vais vous dire que j'y ai passé du temps sur ce jeu. Donc, d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous en fin de vidéo. Oui, ça, c'est le coup du donut. Si vous connaissez pas Idaï, dites-le moi dans les commentaires surtout. Et j'aurai une dernière question en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, allez bien. Donc, voici le casino. Voilà, avec un gentleman. Vous faites la bénédiction à cette chèvre. De belles dessus, t'as vu. Merci à tous. Oh gars, calme, wesh. Ah. Il est où la batterie, je gars? La bouche calme. Ça peut vraiment marcher. Vite. On doit se dépêcher. Ok, il faut être berceuse. Comme ça on perce. Hein? Ah. Je vais vous montrer le rapport avec la chef que j'ai gagné, qui est la chef de Gotimator original. Là on est un peu dans Paidai et je m'attendais pas à avoir une chèvre de Gotimator dans Paidai, vous voyez. Même si c'est le même jeu, hein, Gotimator, Gotimator Paidai, c'est la même chose. Mais c'est pas le même style de jeu. 95% et 1,5%. Il y a 52. Ouais, je dis l'heure, je dis le pourcentage de batterie comme ça. Bah, je retiens et je sais quand est-ce que j'économise la batterie. Sachant que les amis, jeudi, vendredi, comme vous savez, c'est un jour férié, je préparerai des vidéos, je sais pas quoi. Sachant que je ne savais pas encore en quelle classe je suis, vous inquiétez pas, dans la vidéo info, je répondrai à vos commentaires. Il y en a qui me demandent en quelle classe je suis. Je ne sais pas, je vous dis, allez, ici. Okay. Le meuble qui me gêne assez, quand même. Il me gêne beaucoup, ce meuble. Attends. J'ai un problème avec mon Fabigo là. Je vais laisser Fabigo ici. Appelez l'ambulance! Yo! Toi aussi. Ah, je te baigne dessus en plus. Salut Fabigo. On ne voit pas parce que je suis pas sur la version PC, mais... Ah voilà. Voilà.
Bref. Voilà, ça fait un peu plus RP que le fait que Jamigo parte aussi. Moi je pars avec ma bagnole. Ornicard. Donc voici prank.net. C'est le site numéro 1 sur les rumeurs pleines de bons cools. C'est ma chine baie. Vous retrouverez ici les farces que vous pouvez faire dans la ville et vous pourrez donner des masques à vos gars. Qui m'ont des gars. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'argent. J'ai de quoi acheter quelque chose. Il y a un pitbull, il y a un lapin. Donc, oui, il faut vraiment de la musique. Donc le masque que j'aimerais bien avoir, c'est l'aigle pour celui-là. Voilà. Pour mon autre gars. Celui-là. Un cheval. Pour mon petit flamingo là. Juste un petit cochon. Là. Et pour mon chameau, je l'achèterai bien un lapin. J'aurais bien acheté le lapin, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on va lui acheter quelque chose qui lui va. Le cheval, c'est déjà fait. La chouette, c'est moche. Le cochon, c'est déjà fait. Okay. Donc, prendre un masque que j'ai déjà pris. Le cheval. Et voilà, les gars sont équipés. Ok, donc carte des farces. Le dernier truc que j'ai pas fait, c'est les jeux enterrés. Donc on va le faire. Trouver mes Sanctum 3 sur la bibliothèque en ligne. Okay. Donc on va chercher. Bon bah, voiture express. Il y a une perceuse ici, voiture. Ah ouais, mais... Non, j'y vais, Flamingo ira m'apporter la perceuse. Nine. Bon. Je peux pas passer bannière vrai cambrioleur. Passer bannière brusque. Donc, wesh, depuis quand je sais faire ça, moi? What the f... Mais, bon ben... aussi. On va au bunker. Sachant que ça, c'est le bunker de mes animaux, dommage. Mes animaux. C'est quoi ce monde? Ok. Donc on fait cette mission et après, vous avez mis, les amis, je vous aurai montré à peu près tout. Mais vous allez voir que les gars, on va peut-être continuer la vidéo ou je vais peut-être l'arrêter. Et si vous voulez, on fera un fameux truc que je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Par contre, le donuts, il est où? Je l'ai fait tomber, mais depuis, il a disparu. Quoi. Ok, donc le Flamingo.
Merci Flamingo. Bonne journée. Ah, j'ai déjà donné des petits noms aux animaux. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, il va. Mettez une copie de 5 tomes 3 sur la bibliothèque en ligne. À partir de là. Je sais pas. Ok. C'est un truc. Hop. Hop. Je suis un petit peu bloqué là. Voilà, vous voyez, je connais pas du tout cette mission. Et voilà, j'ai. C'est vraiment un problème ça. Donc, c'est pas grave, la mission là, j'essaierai un autre jour de la faire. Avant tout, voici la tête de cochon sur mon flamingo. Sur mon chameau, on a la fameuse chevalier. Et l'aigle. Et le cheval. Sur ce, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, ciao ciao! Avant de terminer cette vidéo, la question de la vidéo est: est-ce que vous voulez qu'on fasse une story de Goat Simulator Pie Dive? Si vous voulez vraiment qu'on fasse une story, dites-le en commentaire. Le commentaire le plus liké, que si c'est non ou oui, si c'est le plus... Attends, si je mets non et oui en commentaire, celui qui est le plus liké de mes deux commentaires, qui est non et oui, qui est le plus commenté et liké, sera la réponse de est-ce qu'on fait une story Goat Simulator Pie Dive, oui ou non. Sur ce, bonne journée et ciao ciao!